Finalement, on est en une passe devant la Cour de Pau aujourd'hui. L'affaire a été renvoyée pour lundi. Le 7. Et le 7, nous vous retrouvons encore une fois ici. Monsieur Bruno Lorette, fin de l'occasion, explique à la Cour exactement ce qui finit de passer ce jour, hier, qui tient dans la fouille, Côte-Li. Les fin de faire une allégation extrêmement grave contre l'équipe qui s'appelle Striking Team. Côte-Li fin de dire qu'il est capable d'identifier Bandi Moon qui, pour lui, Finvin, prend son ADN sans son consentement. Il n'est pas connu pour qui raison Fin prend son ADN là, mais nous capables tous douter. Les Fin aussi expliqué que, sur le teu, tu es déjà ouvert. Et que la police qui Fin prend sur la clé le teu, et Fin dit, prend où la clé le teu, nous aller. Les Fin refuse de prendre la clé le teu parce qu'il, sur la clé le teu, partit dans place, côte, la police, il prend ça. Alors, les finitons lits extrêmement bizarre. Ce box est déjà ouvert, pas t'y fermé. Et l'Indie est aussi dans la cour aujourd'hui, qui au moment qu'il finit faire la saisie, je finis prendre sa bonne parcelle là, immédiatement, mon policier finit dire c'est hashish, sans même qu'ils aient fini ouvrir la parcelle, sans même qu'ils finissent faire vérification. Alors, il est nécessaire qui, le magistrat, Mofindiali, et nous Findiali, ça, qui, Bandi Moun, qui, fin pointer du doigt, de façon très, sérieuse, par Bruno Lorette, qui font partie de sa striking team là, ne font pas partie de ça, l'équipe qui peut faire l'enquête là. Ça, l'équipe qui peut faire l'enquête là, besoin, ça, l'enquête là, besoin enlever d'épisodes. Ça, l'équipe qui peut faire l'enquête là, les, maintenant, les bizarres indépendamment du striking team. Alors, il est important. Magistrat, il demande ça à l'enquêteur et l'enquêteur d'accord que c'est une autre équipe qui peut faire l'enquête maintenant et pas le striking team. Il est important aussi qu'on ait qui, comme on pose question à l'enquêteur, Mofin Dimandi, est-ce qu'il oui ou non est un video footage de sa search là, les fin dièses ont dit, il n'est pas connu, c'est un video footage. Li pour Vin donne plus de détails lundi parce qu'à ce stade, il n'est pas connu. Deuxièmement, Mofin pose la question, est-ce qu'il y en a une similitude, parce qu'il nous trouve ça sur les réseaux sociaux, une similitude alarmante entre ce qui, une photo Fin prend avec Van Exhibit là, hier, qui soi-disant Fin gagne avec M. Bruno Lorette, nos clients, et ce qui a saisi dans Puerto Canonier l'année dernière,
et une similitude dérangeante, au fait, l'officier qui est l'enquêteur maintenant du MCIT dit qu'il n'est pas au courant, mais qu'il est pour venir de nous ban plus renseignements lundi. Alors, pour moi, mot répété, mon client fin souligne le fait qu'il est innocent, il souligne le fait que tout cela a été planté, il souligne le fait que pour lui, il n'a rien à voir avec cela. Et plus important encore, 48 heures avant le search and seizure et l'arrestation, l'indien magistrat a dit, il est fini de gagner renseignement qui est pour une search and seizure. Alors, comprends ce que je veux dire. 48 heures avant, il est fini de connaître qui est pour une arrestation et une search.